Je voudrais dire à mon ami, là ça m'est prêté, président du PDL, je l'appelle Ami, parce que lui et moi, on était couchés sur le même lit lorsqu'on faisait notre formation militaire au camp de Kouamé Kourouan de 1936. Il était mon éliminateur, j'étais le éliminateur sur le même lit pendant 47 jours. Son parti s'appelle le parti de l'espoir. Nous avons eu de l'espoir. Donc, quand vous êtes vous ici, en son nom personnel, à lancer un appel pour la réunification des idées ou le dialogue nécessaire. On a eu beaucoup d'espoir à mon ami Nassar Kouyaté. Il est le fruit assuré des manifestations. C'est grâce aux manifestations que Nassar Kouyaté fut premier ministre de la République. Il est mon voisin à Makoto. Je vous assure, j'ai vu les femmes étaler leurs pailles sur la route pour que son mari passe que c'est tellement que les gens étaient contents de son mari. Mais lorsque les démons perpétuels du pays ont profité de la maladie du président Nassana Kouyaté, ils sont encore vivants. Ils ont enlevé la sécurité. Ce jour, j'étais encore là. Le couloir était couvert. Son protège était parce que l'obscurité devant ce couloir. Les mêmes femmes qui mettaient leur paille pour qu'ils passent dessus étaient là en train de huer, d'insulter père et mère. Ce pays est comme ça. Nassana Kouyaté a tout le talent oratoire qu'il faut, a l'expérience nécessaire qu'il faut, un diplomate achevé, ambassadeur aux Nations Unies un peu partout. Nous avons mis beaucoup d'espoir à lui. Il a le verbe, il a le mot qu'il faut lui-même. Pour prendre son patron de paix pour la réconciliation des Guinéens. Il a vécu beaucoup de choses dans ce pays. On était ensemble dans les manifestations. Son cortège et le cortège de Kassoy étaient les plus visibles. C'était les deux leaders qui ont le style américain de la campagne. Il avait des gros ballons gonflables sur le véhicule. On était ensemble sur le toit de l'église il n'y a pas longtemps. Il ne peut pas dire aux jeunes de Mambédo que sortir n'est pas normal, alors que nous-mêmes, nous avons appris à ces jeunes à sortir. Son véhicule, heureusement c'est un véhicule blindé, a été arrosé de balles. Lui, il est le leader, c'est nous, Sylvia, se sont retrouvés chez lui. C'est Dieu qui les a sauvés. Mon ami Kouyaté a traversé tout ce désert, toutes ces difficultés grâce à Dieu. Je l'invite à prendre son patron de pèlerin. En tant que diplomate, en tant que patron de l'espoir, et en tant que membre de la célèbre promotion Mao, le président Sékou Touré, à notre investiture, en quittant la tribune, il a dit « Je vous confie la Guinée ». Il a confié la Guinée à la promotion Mao. La promotion Mao a été premier ministre. Tidiane Soirée, lui-même Kouyaté, beaucoup d'autres ministres.
il faut que vous ayez pris son bâton de pèlerin pour honorer la mémoire de cette Touré qui lui a confié la Guinée, qui a confié la Guinée à la promotion par vous. Donc, ceci dit, je crois que tout a été dit. Ce qui reste, c'est que on se pose la question, qu'est-ce que c'est le Ghanéen va faire en matière de médias lorsqu'il sera au pouvoir? La question ne doit pas se poser. Le fondateur, l'initiateur de la libération des hommes en Guinée, c'est Sédou Dalla Diallo. Et le ministre Mamadi Daba Camara. Je sais ce que les deux personnes ont fait auprès du président de Lassana Conti. Mamadi Daba Camara, Sédou Dalla Diallo. Nous sommes pour le libéralisme intégral. Donc la question ne se pose même pas lorsque c'est le sort au pouvoir, ce sera un libéralisme total en matière de communication, puisque c'est un droit. Maintenant, ceux qui prennent leur rêve pour la réalité, il faut qu'ils sachent que notre candidat, le candidat le plus offensé, c'est ce monsieur-là. Celui qui a le pantalon, si c'est un pantalon intégral, il n'a qu'à se mettre en guine et venir se présenter contre lui. Il y